sans prise en charge COVID-19 qui trouvait dans la zone Delma 2 pour aller relocaliser, d'après le ministre communication en France, Exantus, qui fait quoi à cause d'affrontement qui gagne entre gang avec gang, il vient compliqué et travail personnel soigné. Dans cette prise en charge, donc dans ce sens, le ministre fait qu'on est déplacé ce plan et va le mettre dans un espace pour identifier la question pour capable protéger personnel soignant avec moun ou du moins malade et qui atteint le coronavirus qui vient pour fréquenter espace là. Et bien l'autre point nous gagnons dans l'actualité, trois écrivains haïtiens recevoir distinction dans l'Académie française. Parmi les écrivains ça gagne Franck Etienne, Émile Prophète avec Louis-Philippe d'Alembert. Et bien l'autre point cap dominé actualité, pays d'Haïti trouvé sur une liste gris groupe action financière Météo dans cadre yon séance plénière li t'ap organisé. Donc Haïti trouvé dans liste ça à cause engagement li t'ap pran pour lutter contre blanchiment d'argent. Gros salutations à nous toutes mesdames et messieurs, son plaisir pour nous entrer la carrière pour nous porter édition information ça pour vous. Comme toujours, nous vous merci parce que vous choisi nous pour informer et nous vous bienvenue sur à peine connecté sur channel noir. Nous sommes c'est Wilson Octavius et plateforme sous lien c'est TAC Info Plus qui veut dire tout haïtien connecté. Donc ça va distant avant entrer dans le développement information yo. Donc on est un pays d'Haïti lui-même les trouver son liste là qui sont liste gris. D'habitude nous connaissons déjà parler de l'histoire, mais une fois ça c'est son liste gris Haïti trouvé. Et ce groupe action financière qui mettait rapport dehors et dans rapport ça aux jeunes plusieurs catégories pays et parmi eux Haïti lui-même qui sous on liste gris et même genre avec Soudan, même genre avec Philippines. Donc pays ça retrouvé sous liste gris parce que il était pris engagement pour lutter contre corruption et j'effort qu'a fait pour détirer question financement terroriste. Faut nous dire gen pays tout qui trouvé et sous liste noire et parmi pays qui trouvé sous liste noire on joine Iran avec Corée du Nord. Et puis l'autre point dans l'actualité, l'Académie française sorti une série de distinctions là, côté au total de sorti 65 distinctions. Et dans 65 distinctions, ça a gagné 3 écrivains haïtiens qui remportaient la mariole. Et parmi les écrivains, ça a gagné Franck Etienne qui remporté prix distinction sous Grand Prix francophonien. Émile Prophète lui-même qui remporté prix réellement langue et littérature française. Et puis romancier, poète, Louis-Philippe d'Alembert lui-même qui remporté Grand Prix François Coupé pour ouvrage limité dehors dans l'année 2020 qui portait nom Cantique Balbutiement. Donc, et haïtien pas suspend à remporter de prix et nous connaissons l'Académie française qui s'est représenté pour la France. Nous connaissons Dalina Ferrer lui-même qui sont haïtiens d'origine mais qui est venu prendre par la suite et nationalité canadienne lui-même tout lycée yon membre dans l'Académie française. Nous connaissons l'importance Académie française gagné non seulement pour la France mais pour un pile d'autres pays qui par les Français, nous connaissons tous cela, une série de mots qui, en deux dictionnaires, c'est là où on connaît sens, ou du moins c'est là qui approuvé. Et nous savons donc nous gagnons Daniel Lafayette, lui-même qui est à part entière dans l'Académie française. Et pas gagnant pile noir tout qui joue une chance pour siéger dans l'Académie française, sinon, et à part de Daniel Lafayette, nous connaissons un Africain avant et Daniel Lafayette qui est Léopold et Sédassingo. Donc, AIC continue à faire parler de yo et à travers le monde dans le sens positif, bien entendu. Et côté, j'ai eu 3 haïtiens, 3 écrivains haïtiens qui remportaient distinction Académie française attribuée pour effort fait, ou du moins contribution au beauté dans la langue française là, avec la littérature française. Et le point d'actualité, nous connaissons sans prise en charge contre COVID-19 qui trouve dans le Madeleine a fait face à gros difficultés dans le moment de parler parce que nous connaissons une situation de tension qui est dans la zone Badelma, même genre presque en pile de l'autre côté dans le pays. Donc sans ça lui-même c'est dans l'espace ça les trouver. Donc ça t'a dit il est exposé à action bandit à poser. Donc la autorité a annoncé de dispositions pour reloger centre et contre COVID-19 là et pour mettre dans un espace qui est plus sécuritaire. Donc question pour protéger tout le monde qui a fréquenté l'hôpital là qui c'est et patients ou du moins qui c'est de employés et qui a service. Donc là dans l'idée pour protéger vie contre toute action qui était arrivé ou du moins tout compte de balles marron parce que il y a pile tiré dans un an et de temps en temps donc autorité obligée prendre disposition pour reloger ce temps pour mettre dans l'autre espace. C'est vrai on va annoncer qui côté on va mettre mais décision prend déjà ce temps il va reloger question pour faciliter accès à soins à monde qui trappé et coronavirus là parce que nous connaît pas vraiment gain en pile espace de prise en charge et contre coronavirus. Donc dans ce sens il y a pile observateur qui estimé et décision autorité prend pour reloger et centre de prise en charge coronavirus là comme une bonne décision
parce que normalement nous connaissons et de temps à autre gagne de tension qui gagne dans zone Badelma et pas vraiment gagne d'autres centres de prise en charge et on dit dans l'ouest là pas vraiment grand pile donc ça Delma 2 est d'une extrême importance donc autorité au jugé important pour relocaliser bien que pas aussi qui côté le balai mais c'est le bonne guerre pour prendre initiative ça parce que gagne demande pour centre parce que nous connaissons dernier jour ça là grand pile monde qui est victime de coronavirus grand pile monde qui mourit parce que dernière information fait état de depuis le troisième vague a commencé à frapper Haïti et à partir du mois de mai 2021 jusqu'à mois de juin là il y a environ 4000 personnes qui ont attrapé coronavirus là et que tu as gagné et plus que 150 là qui mourit donc gagne urgence pour soins et contre coronavirus là et pas vraiment gagne espace de prise en charge donc c'est une bonne décision de la part des autorités de reloger ce centre qui se trouve au bas de Delma. Donc là, il est important pour nous faire aller sur la situation qui gagne dans zone bas de Delma et établir lien qui gagne tout avec centre de prise en charge qui trouvait dans zone Delma. Parce que nous connaissons qu'on a visé cela dernier jour ça là, il n'y a pas de chance du tout. Donc là, par rapport avec propagation rapide coronavirus là, il est important pour nous souligner et avec tout le monde de nous, bien entendu, et toute population en général, importance qui gagne aux moins obligation qui fait à eux-mêmes pour continuer protéger tête yo continuer respecter mesures barrières parce que coronavirus là il bel et bien existé en Haïti c'est vrai que là et dans le temps il y a des gens qui étaient pensé par un coronavirus ou du moins ceux qui ont pensé c'est et politique qu'a fait avec coronavirus là mais là maintenant c'est une autre réalité parce que il y a plein de monde qui gagne information de monde de personnalité on dit de monde qui normalement très connu dans la société hein, qui trappe maladie et gagne là-dedans qui mourit, gagne qui pas mourir heureusement mais qui trouve une situation grave et gagne tout et le fait que situation commence à aggraver donc obligé déplacer pour aller prendre soin l'autre côté dans l'autre pays parce que et normalement gens soignant à bail dans pays d'Haïti hein, ils estiment et ils pas vraiment respecter toutes normes yo, donc yo même yo déplacer à prendre soin côté yo penser ou du monsieur estimé qui gagne bon gens soin malgré yo même à un moment de la durée yo était dans position pour offrir pays de structure appropriée ou du moins un système sanitaire qui est fiable mais yo pas faire mais quand même yo gagne temps chapé pour yo pour aller prendre soin dans leur pays nous même qui dans masse peuple qui dans mitant population qui dans masse défavorisée yo li important pour nous prendre précaution pour nous même ne pas attraper coronavirus là c'est vrai que le monde qui dit et gain médecin feuille ou gain de remèdes naturels que utiliser pour ne pas prendre coronavirus mais le plus important c'est pas lutter pour lutter contre coronavirus là il t'a préférable pour t'a faire prévention pour t'a respecter une série de consignes yo bay c'est ça seulement qui ca éviter nous prendre coronavirus parce que nous connaît même j'avais jusqu'à présent pour qu'on remède et pour monde qui trapper coronavirus là gain vaccin qui disponible vaccin lui-même ni ca prévenir pour pas attraper virus là pour et on dit pour même sous ta mon côté il y a deux monde qui t'a contaminé OK donc pour pas prendre coronavirus parce qu'on est vacciné déjà mais sous que t'attrapé coronavirus là vaccin il pas vraiment gain grand chose qu'il a fait sinon c'est le système immunitaire seulement qui capable lutter contre coronavirus là chaque fois après il y a deux monde qui prend virus là qui malade qui même rive mourir et il y a les autres qui prend virus là yo même yo juste rester et y a marché y a circule librement avec toute activité yo et donc yo continue à bay moun virus sans pourtant yo pa gagne moun sa rele yo de porteur c'est de moun qui gen coronavirus là mais yo asymptomatique ça veut dire pas aucun symptôme qui développé sur yo du moins aucun signe qui ta dit moun sa gen coronavirus pendant ce temps il gen la chute à bako tourner et puis la bombado à virus donc là li important pour population respecter consigne parce que là nous on pas vraiment gen structure dans pays qui répond avec exigence de là ça veut dire pour ta bay et en pile moun soin et en même temps donc il est important pour nous prendre précaution et puis pas oublier cette formule là toujours laver main parce que virus là c'est pas consommer ni crétou prendre c'est pas et on dit c'est pas dans seul anexo c'est tomber sous ou non c'est on dit c'est contact qui gagne moun avec moun qui vient faire virus là propager ça veut dire mettre dans la main ba moun te mettre dans à collade te mettre dans et proximité ou gagne avec moun donc là c'est on série de et couloir qui capable transmettre virus là de yon individu à un autre individu ça veut dire mesure yo faut nous toujours kembe yo laver mais nous respecter distanciation sociale là 1m50 là ni toujours et de mise et puis
koto wè gen foul, toujou evite yo, epi toujou mette kachne yo, kit se lò nan machine, kit se lò nan la rue, wap mache, kit se lò l'eglise, tout, ou di mwes, nèpòt koto yo konè ap gen foul moun ki reyouni, toujou mette kachne yo, epi lò nan la rue tout, evite mwen yon seri de bagay, epi lò rentre la kayou, toujou sonje, lave men yon, avou alman yon, nèpòt lòt bagay an de kala. Kon sa, wap proteje tèt ou, wap proteje fòm ou, wap proteje environman, e wap proteje kominote wap viv la. Donk se la, nap kanpe pou jodi, nap di ou mersi paske ou toujou ban nou tan ou pou tande nou, e nou menm tou nap toujou fè nou nou devò pou nou pote informasyon ki fiap pou. Donk nap di ou mersi, on lò fwa, e nap di ou a la pochèn pou nou lòt videyo. Ciao!